Désir Venès, n'apprend que gagne trois présumés bandits qui tombent, gagne plusieurs âmes qui saisissent, et gagne plusieurs âmes qui sont en arrestation. C'est dans le cas d'un coup de filet que la police dans le pays, yo rive mené. Trois individus mortellement blessés, dans le bouquin de coups d'âme avec Foster Dio, gagne 30 personnes qui interpellées qui arrêté, gagne deux âmes qui saisissent, des couteaux, et plusieurs cartouches confisquées dans quatre opérations, la police dans notre pays a mené dans deux dernières semaines. Et l'année qui était 23 pour le 24 septembre passé, plusieurs unités spécialisées dans la police nord d'Haïti réalisaient une grosse opération dans la zone Tibo, commune Milo, et contre gang qui a dirigé par Marc Aurel, qui a dirigé gang ça ainsi connu. Et vous dites bien, gang ça, monsieur qui était en prison déjà, mais malheureusement, pour que ce présumé implication dans l'assassinat et l'enlèvement, eh bien, tout que les Macorel, monsieur qui mortellement touché, a dit monsieur Petit Laville, dans quatre opérations que Brigade Intervention BI, cap haïtien fait dans la zone barrière bouteille. Et pendant l'opération de Désir Venès, eh bien, la police, il y a un certain de William Bessa alias Ticon, Mon Désir Biomeli alias Senoa, et Philippe Benny, alias Le Boy, et yo même tu yote rivé stoppé par la police nationale d'Haïti, et gen un revolver calibre 38, zam factice, deux couteaux et plusieurs cartouches, différents calibres, qui rivé saisi par force de l'audio. Et ensemble, individu sa yo, yo acquisé dans plusieurs cas la mort, et qui fait dans le département non payant, précisément, dans la ville cap-haïtien Désir Venès. La situation du président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils a frappé très fort dans sa qui vient pour avec 79e assemblée générale Nations Unies côté li fait un discours historique mémorable pour rappeler valeur que Haïti gagne pour rappeler force et courage que peuple haïtien gagne devant tout fléau. En pile monde garder discours ça comme un discours renaissance pour pays d'Haïti face avec communauté internationale là en pile temps qui a joué avec valeur et historique que pays d'Haïti gagne depuis un bon bout de temps. Et président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils t'a profité occasion Blaise Peterson pour te rappeler la France, l'argent que vous avez pris malgré la bataille que vous avez fait pour nous prendre l'indépendance, l'argent ça c'est pas en faveur, vous devez tourner l'argent by pays d'Haïti. Il t'a tout rappelé Conseil, sécurité, il t'a tout rappelé, et l'ONU, pour venir aider le pays d'Haïti à travers la communauté internationale, soit à travers force multinationale, ce n'est pas un cadeau parce que le pays d'Haïti pratiquement fait partie, état membre de l'ONU, Blaise Peterson. En dedans discours ça, chargé à causer, en dedans discours ça, chargé avec fierté, ou t'as qu'à dire que monsieur entendent, yo chita, yo discute, yo planifié. Et grand axe et grand point, yo entend yo sou yo pour te permettre que Haïti te gagne une représentation mémorable dans 79e Assemblée et Nations Unies. Ou jusqu'à présent, la situation, jodi a moun yo après tant, après discours ça, et bien action qui a accompagné, qui a gagné pour poser dans le cadre et surtout retirer le pays d'Haïti dans la crise qui est là. Dans chita que vous avez essayé de regarder, Premier ministre Dr. Gary Conille, qui t'a accompagné avec. Et président du conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc fils, il était participé dans le forum investissement Haïti et réforme l'avenir qui créa le poté ensemble opportunité dans ce qui vient pour avec investissement transformation économique en dedans pays d'Haïti. Mais c'est à l'État de New York, il était participé dans la rencontre là après discours président du conseil présidentiel transition sous tribune Nations Unies. Sous bon côté participation yo dans délégation Haïti dans 79e session ordinaire Assemblée générale et Nations Unies et bien 24 à 26 septembre et bien on essaie d'en discuter sous ensemble des points focaux sous ensemble de points importants. Objectif principal forum là c'était inviter potentiels investisseurs étrangers pour venir dans discussion yo sous opportunité investissement gagné dans secteur en dedans pays d'Haïti dans divers secteurs que yo promettent. Ça, on peut bien pour vous faire dans le niveau national qui peut permettre à l'international pour permettre d'élaborer et partager ça que vous gagnez comme Kilti à Koutine. Vous citez sous point ça. Rétablissement rapide dans la situation économique pays. Vous continuez récupération sociale pays qui perdu depuis un bon bout de temps. Vous essayez donc de garder question travail qui doit être disponible en dedans pays. Création nouveau travail pour renforcer opportunité partenariat avec business qui gagne en dedans pays d'Haïti autour de points ça au déchita souli yo encourage investissement
dans le projet d'investissement qui est capable d'orienter dans le partenariat public-privé pour être capable d'accélérer dans la dynamique pour régénérer le projet d'investissement en dedans pays d'Haïti, les personnes. Ça a pratiquement apporté des bonnes inspirations, surtout pour le pays d'Haïti, parce que la situation paraît très difficile. Président Conseil présidentiel de transition, dans le discours liable à Citizen, il était clair pour dire restitution et réparation de l'indépendance, c'est référé à ancien et sénateur et président Conseil présidentiel de transition, et nous rappeler que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide a lancé et dans les Nations Unies dans l'année 2003, pardon, c'est président Conseil Edgar Leblanc-Fils qui potel journée jodia et qui reprend le discours ça le 26 septembre 2024 dans l'occasion que t'a pral participer et bail point de vue sur question si là. Il fait quoi? Il c'est victime, Haïti c'est victime colonisation française. Haïti toujours porté conséquence pratique féroce à la dégradation ça qui t'a gagné en dedans pays là. C'est pour ça le dit pays à genoux. Lui permettre que le pays en état faut au moins bon bagage qui lui fait pour retirer la République dans la situation qu'elle trouvait là. Sur le plan de sécurité, Blaise Peterson, la Camoë dans le département la Tibonite, bagage yo pas rose, yo pas joli non plus, situation de jour en jour, la vie plus difficile, surtout moun yo qui pas gagne accès sur route nationale numéro 1, quitte dans niveau 3 pont, quitte dans niveau Kafoupey, parce que Bandi Bas Gangrifio tabli 4 général yo dans zone si là. Blaise, dans Port-au-Prince, dans grand quartier général, l'armée d'Haïti. Il y a quelques coups de feu qui t'a tiré dans le parage, grand quartier général là, mais ensemble militaire qui dans le grand quartier a pris en disposition. Qui ça cause, ça qui a passé à privé là? C'est bandit qui pratiquement dans Belé, qui dans le grand quartier général là, qui a arrangé pour y faire une série d'attaques de diversion, parce que vous connaissez que la médaille ici qui mobilise dans tout coin, qui va permettre qu'on reprenne contrôle de la situation. Est-ce que bandits vivent ensemble, yo mettez dans tête yo, ça a été fait Ariel de dehors, yo cap tout profiter fait pendant président conseil présidentiel là dehors, pendant premier ministre dehors, eh bien monsieur Lamio dit ça pas passer. Et il y a une question balle barbecue qui t'a en faiblesse. À partir de ça, il y a battu yo repousser et permettre que moun qui dans unité spécialisée qui pratique pendant périmètre bon côté barbecue qui dans zone Kempes, yo cap relâcher en façon eux même pour cap mettre corps dehors. Eh bien militaire, yo dit yo pas faire back, y a continué et aucun contrôle situation, les personnes examinent internet. Désir font bel galé ensemble de près qu'on va discuter là bien que nous pral vraiment mettre focus là et sous discours Edgar Leblanc-Fils là et n'a venir avec discours en tout bien que on a plus monde déjà attendel, en plus monde déjà well, mais moi avec Désir Venesse, nous pral faire nous tendel mais en même temps tout n'a fait de analyse à différents séquences. OK? La fait de analyse sur différents séquences. Est-ce que vous comprenez le dire? Le bagage encore désir, la question qui est pour avec et stratégie que vivre ensemble a utilisé, a essayé, a tenté d'utiliser dans le moment. Parce que négocier le 29 février, le marché, c'est Ariel Talfran, l'indé, il y a yo. Négocier tout déclenche mouvement, tout côté t'a frappé ensemble. Et en réalité, tout était jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de rentrer. Mais, attaque, les gens ont fait sous base la meilleure, plein bandits, plein vivre ensemble, c'est attaquer la Cour des comptes, attaquer l'intérieur, attaquer palais national, créer une voie panique en bas. Il y a une façon, selon ça que nous apprenons, pour ne pas détourner attention force de l'audio qui a mené l'opération dans Badelma. Parce que l'opération qui a mené dans Badelma, c'est la toute dernière information que nous avons. Li mette barbecue nan, en faiblesse. Li mette barbecue en difficulté. OK? Parce que c'est vrai, mon yon qui a dit au partenaire de Goku Ban Kap tiré dans Badelma. Mais pas parce que les gens pas abandonné. Force de l'audio là, mais la police pas abandonné. Les gens toujours présents en bas. Ça veut dire que, et qui est de côté qui était fief barbecue, pas de petit monsieur là encore. Soit les gens qui sont tombés, ou disent est-ce que ça est en GTO, GTO. Les gens utilisent une stratégie d'avoir ça à apprendre. Pour que ils soient capables de créer focus sur chaîne masse, quartier général, et ensemble de boîtes l'État, et ils là, on va se capable de retirer l'opération sur Badelma. Mais force de l'audio, on dit,
la police nationale d'Haïti, Andy Lamé d'Haïti, qui même qui est en comprenant courant, qui comprend jouette là, il dit qu'il n'y a pas prendre la diversion ça. Il n'y a pas prendre la donne. Il y a qu'un peu focus sur Badelma. Et en même temps, tout, il y a plein de dispositions pour gérer quelque soit attaque ou bien assaut que bandits vivent ensemble, tu as l'idée de faire dans le périmètre de Chelmas. Non. Par contre, ça que l'autorité dit, qui je vois le Kembel, est-ce qu'il y a Kembel tout? Mais, et c'est ça plein bandits, oui. Et l'autorité qui vient d'identifier ça, il y a pris toute disposition pour gérer la situation en désir. Même chez moi dans le nord, il y a plusieurs bandits tombés, il y a plusieurs bandits arrêtés. Eh bien, bataille opération, bataille gourmet, stratégie l'État, stratégie force de l'audio, les continuer après la possible des Ivenes. Avant qu'il vienne avec et discours intégralité et discours Edgar Le Fils. La situation, il méritait que mariage, police, population, il continue à porter l'espoir qui permet de récupérer ensemble l'espace. Il permet de gros qu'il cassé. Il permet de bandit commencer à faire dénonciation, conversion, tant qu'ancien sénateur Yuri Latortu, qui gagne meilleur qui commence à dénoncer, et barbecue rentrer dans l'initiative, d'en parler avec tout chef gang qui est en dedans pays. Ou après, non vidéo que moi barbecue a demandé qui graisse pour désengager, pour quitter espace là, pour déblayer route là, pour débarrer route là, pour suspendre bay moun dans zone là problème pour quitter ti malere au vivre. Ça veut dire qu'il y a un pile inquiétude des personnes par rapport avec ensemble opération qui a mené, par rapport avec bandi qui a pris un code dans main la police. Malgré pas un bilan qui présentait, il y a quelques petits travail qui a fait, bien que moi-même, moi partagé plusieurs fois là. Émotion, moi partagé plusieurs fois là. Sentiment, moi partagé plusieurs fois là. Compréhension, par rapport avec ça qu'a fait là, ou jusqu'à présent, moi poko classé parmi opération grande envergure. On se s'il classé parmi les opérations de grande envergure, de cette façon, résultat y a palpable. Résultat y a direct. Jusqu'à présent, on a regardé, c'est indirectement, au cas dit qu'on bagay. Parce que, Pelé, Simon Pelé, pratiquement, mettait moun nan kouri pendant la journée, ailleurs. Ok? Qui cause que, Kafou aéroport a absorbé un paquet moun qui t'a vite dans le réfugié là-dedans. Ça veut dire, travail la police, là, li pratiquement a fait dans le terrain jusqu'à présent. Qui ça fait que la police, toujours des limites à travers le pays? Parce que, c'est police nationale d'Haïti. L'État doué, gain accès pour dans tout espace. Dans tout moment, dans tout l'air. OK? Si n'est qui a sa patte qui avec fusil dans main ou. Les autres attendent mon grand policier à venir se courir que vous avez à courir. Mais qu'on y a le besoin, qu'on fait réforme, li besoin qu'on essaie d'autre recadrer institution qui pratiquement dans la rue par rapport avec ensemble critique, par rapport avec policiers qui marie sociaux, par rapport avec précarité économique qui ont gagné. Parce que on est qui nous amène dans main, quatre travail pour 25 à 50 000 goudes ou bien 60 000 goudes, moun qui touche peut-être pire ou dans la police. Li peut-être besoin en pile capacité. Li besoin en pile conviction pour le parler dans l'argent sale, dans l'argent drogue, dans l'argent corruption qui gagne dans les pays. Surtout, l'en connaît. Gagne ensemble anciens élus, gagne ensemble anciens ministres, ensemble anciens présidents qui pratiquent l'argent sale dans les pays, qui dans drogue, qui dans kidnapping, qui dans encourager l'insécurité qui gagne dans les pays, qui ont pas quatre policiers qui en fonction jusqu'à présent qui détachent à qui pour barrer la sécurité. Ça veut dire quel que soit plan, qui gagne contre bandit. Eh bien, ancien président, ancien sénateur, ancien député, ancien ministre, ancien directeur général Sayo, ancien délégué, ancien vice-délégué Sayo, qui tout gagne policier avec yo, c'est des anciens chefs qui dans gang, qui dans toute qualité bagarre dans le pays, eh bien, opération la police, yo vin pas fiable. Je dis, si bien un ensemble de monde qui était dans l'État, qui gagne des accusations sous dos, yo besoin à faire lumière dans la justice. Pendant qu'on a fait lumière dans la justice, il a dû détacher, retirer policiers qui affecté avec nous ou des personnes. Pour ne pas entraver ensemble le travail que l'institution policière a fait. Parce que les gens ont arrangé, ils ont toujours dans le système, ils ont infiltré. Quelque chose qui a planifié, les bandits ont toujours connu. Les bandits ont dit, ils ont tous côtés, ils ont dans toute direction, ils ont dans tout ministère. Qui est-ce qui est victime du comportement ça? C'est la population qui a vécu dans le pays, qui a vécu dans le pays. C'est ça qui fait qu'il y a besoin de bataille pour valer. En dedans, institution policière, parce que jusqu'à présent, la constitution haïtienne lui reconnaît des forces légales, des bras armés qui attachés avec la justice. C'est la police, l'armée.
nous pas prendre temps, nous pas prendre temps pour n'a observer, pour n'a regarder, pour quitter pas la braler n'importe qui gens, faut que nous prenions responsabilité pour nous, faut que nous prenions engagement pour accompagner force de l'audio, pour faire travail que besoin faire dans toute équité qui va permettre moins de sécurité ou de sécurité, de sécurité mais personne. Désir jeune de Diane Galvini avec intégralité interview Edgar, alors pas interview, discours Edgar le Bluff fils sous PIB des Nations Unies. Dans l'occasion 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Et nous prenons venir avec lui. Et Jean nous dit, moi avec des Ivenes, nous prenons et analyser tout. En pile dans ce qui dit yo. Et pour nous des amis vraiment comprendre plus bien discours ça des Ivenes. Parce que moi, c'est que l'important, les amis qui t'en mais qui peut-être besoin comprendre plus bien. Mais nous-mêmes, n'a fait comprendre ni alors qu'on est en français là avait c'est quand même gérer ça et puis pour mes amis on grande idée de sa gain nous va venir avec Edgar le Bluff fils amis internautes va venir avec toi voilà OK on a gagné monsieur c'est Haïti. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence et je l'invite à s'adresser à l'assemblée. Et Edgar le fils, président conseil transition qui est même. Abdéfil pour la soutoubine. Exactement, ce pibit là. Regarde. Tu vas voir le là. Excellence, monsieur le président de l'Assemblée générale, monsieur le secrétaire général des Nations unies, Excellence, mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames, messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première République noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, M. le secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti, vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde qui, tout en restant attachés à leur pays natal,
sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. Là, Edgar lui parlait avec Donald Trump. Malhonnête qui mène les reproches. Exactement. Ça, c'est malhonnête qui mène les reproches. Parce que, m'a compris, je dis, hein, yoka malwe Haïti, yoka malwe Haïtien. Mais, attendez bien, Haïti, ça, que je dis, que yon malwe ya. Haïtien, ça yon malwe ya. L'égoïste, quoi, le gon passé. Et lié de même, lié des États-Unis, ça va net. Et gué de ville aux États-Unis, là, Haïtien, moi c'est Orlando, c'est ma troupe. Jean-Baptiste Point du Sable, qui c'est un Haïtien qui est entré aux États-Unis, et m'a dit c'est un élément fondateur, ville Orlando, aux États-Unis. Monsieur, c'est Semak, mais c'est Nexemak. Exactement. Donc je dis en là, et ouais, tout ça qu'a dit, j'ai dit, mais malgré les gars, les gars étaient sous-menti, les gars étaient souris, mais ah, les gars, ils vont s'étendre, c'est, ils ont pas appelé Haïtien. Et ouais, tchou, j'ai allé plus loin pour le dernièrement, non interview que le bail. Monsieur Edzo, depuis le Tavine, président des États-Unis avec vice-président J.D. Vance. Question CBP One. Question programme pour l'humanitaire. Dès que vous entrez dans le programme ça aux États-Unis, où c'est criminel, pas qu'on est gens de Bagali, on va ranger cause parce qu'il y a pim pour tout le monde dans le pays. Quelque soit haïtien. Ou t'es quelque soit immigranté, hein? Mais si nous voulons parole humanitaire, là, nous connaissons pour quatre pays liés. Haïti, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Mais dans CBP, on n'est pas Mexique, là, plusieurs nations passent là-dedans. Et pas seulement haïtiens. Qui donc, je dis à me connaître plusieurs centaines, milliers haïtiens qui, États-Unis, dans quatre programmes parole humanitaire, qui a essayé le programme Biden. Et c'est plusieurs milliers haïtiens tout qui rentrent ici aux États-Unis dans programme alors dans application CBP One. Ça veut dire jodi en là. Eh bien, c'est vrai États-Unis sont terre de refuge qui grand pile immigrants. Mais est-ce que son raison tout pour Donald Trump lui-même en soi a réagi la façon ça et Jean qu'elle a réagi. Mais Edgar le Bluffis, monsieur fait tirer appel ça. J'ai décidé là. C'est malhonnête qui mène reproche. Faut changer, faut songer Savannah. Faut songer go bataille qui mène pour yo. Et ça, Edgar lui-même, il rappelait avec anti américain raciste et anti-immigrant yo. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. Mm-hmm. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément
avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne, puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'elle manque d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de COVID-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années.
selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022. Une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur, avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier d'un soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du 21e siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, mesdames, messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République,
de 1995 à 2000. Puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche en toute confiance vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un état de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons.
Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des trois dernières décennies, notamment la MINUSTAH. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparations pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti
pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entremise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect. Le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette indépendance, interdépendance, que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable. Car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissée pour compte. Vive Haïti! Vive la coopération internationale! Demain, un autre pays, demain, un autre monde. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie. Et Désir, moi, ouais, discours Edgar, l'est duré pour moi-même une trentaine de 31 minutes.
Et les m gade discours là, m'a gade m'a gade chronométrage là. Nan moment que Edgar prend verre pour boire de l'eau, c'est nan 28 29 à 30 minutes. Ça veut dire faut nous comprendre ça tout. Oui? Aïti, de 20 de minutes, mon a parlé, monsieur. Gorge, mon a sèche. Et pas plus. Bon, intonation, mon a essayé géré. Et tout quand même, gué de la pression, stress quand même, qui a envahi mon sac une baconne. Et pas parce que le lycée. Ah, l'émotion. Et qu'on a habitué à parler déjà, non. Ou est-ce stress, ou bien question et énergie, pourquoi avoir de l'eau salée, hein? Un si moment quoi Mandel avait dit que ou pas besoin de faire qu'un débat contre sur ça. Moi même ça fait me bien dit. Me les garder, ça va quitter tout discours à jouer. C'est moi les gars plus mon cap suivre nous là qui pas vraiment qui t'attendait sur l'autre plateforme yo, mais attendait le sur nous. Mais en nous garder fond discours hein, et en nous dit tout après ça qui ça retombé hein, et résultat pralier. Ouais ça monsieur tout. Parmi tout pays qui ont pris l'indépendance, Haïti c'est le seul pays qui a été forcé le pays indépendance. Pendant ce temps, c'est en bas coup de goût, oui. En bas coup de canot, en bas coup de physique, oui. Nous prenons l'indépendance, oui. Mais en 1825, la France a trouvé son fréquencité, il fait nous payer l'indépendance. C'est le pays dans le monde qui paye. Il faut garder ça. Donc, je dis, hein, moi-même, bon, c'est que. Il faut qu'il y ait de gros batailles qui pour mener pour comprendre que, bah c'est, et ça l'a besoin. Nous avons besoin de solidarité. Au lieu qu'on a cherché la petite bête dans le moment, on cherche pour les épaules. On cherche pour nous que si nous avons fait collaborer. Et nous avons tout. Jean que M. Kassim était dans mes. Bon républicain, bon américain raciste. Les rappels de Savannah, bataille qu'ils ont démenée. Pendant ce temps, ils mettent focus sur la question de situation et sécurité. Haïti a connu là. Et les autres, Haïti, pourquoi tu parles pour qu'il sorti dans sa là? C'est logique. Parce que Haïti, par non, par non, par non, pour qu'on te lit. Et dire, les besoins bourrades internationales. Et moi, c'est ça. La question de sécurité, la question de grand goût. Dans toute forme de calamité haïtienne qu'on est là, les besoins haïtiens d'abord pour motiver, pour intéresser, mais le besoin support la communauté internationale des Ivoiriens. La situation Edgar Leblanc-Fils surprend moi-même. Ce monsieur porte un discours qui est très offensif contre les États-Unis, contre la France, contre les Nations Unies qui pensaient ces charités que Haïti pré-remandé dans 79e. Il fait un devoir de mémoire pour les États-Unis et la France et l'ONU qui a joué avec Haïti sous question. Quand il montre des malaises qui gagnent, des dégâts qui causent dans diverses missions qui viennent dans le pays, et l'important, et ouais, il montre que l'y reconnaissant envers des marches qui fait jusqu'à présent, malgré mission, va baisser pour gros résultat, lui féliciter. Blaise Edgar Leblanc-Fils Chita, dans le discours. Kounia, ça nous a posé tête nos questions, suivi après le discours qui s'est allé. Est-ce que il va pas dans une situation plus corsée? Est-ce qu'elle va pas mettre Edgar Leblanc-Fils dans des situations difficiles, même genre les Jean-Bertrand Aristide te fait en 2003? Qui te cause qu'elle dénonce une situation très difficile, surtout avec question l'argent restitution. Parce que ça, la situation, dans le moment, la France pas t'a remis au volume l'argent, ça, qu'elle te prend, te casse pour y être nous, elle te braque nous, pour te permettre sous bataille, sous coup de fusil, qu'elle te fait pour te prendre indépendance. Communauté internationale, là, y a besoin pour tes supports avec Haïti. Mais pour tes supports avec Haïti, c'est un devoir, parce que nous faisons partie de yon assemblée, nous fait partie de yon organisation, ou c'est membre, nous c'est membre, t'es ou t'es cotisation côté bala, ou t'es pire ou pas, mais moi contribuer ou contribuer. Moi membre ou membre, nous gagnons même devoir.
Je veux dire, c'est ça qui a passé quand on est dans le pays d'Haïti. Hein. Les pratiquement doit interpeller conscience chaque pays. Donc, comme tu dis, malhonnête qui mène les reproches. Je veux dire, citoyen haïtien qui pratiquement dans Springfield, Ohio, yo trouvé yo dans discours que Edgar Leblanc-Fils côté. Li parle dans Béret, dans Nature. Li parle dans Béret, américain raciste, qui pratiquement a traité immigrant. Ouais, Edgar Leblanc-Fils n'est pas chita sur immigrant haïtien tout simplement. Mais regardez immigrant en général, et acteur. C'est ce pays qui recevait des immigrants. Très bien. Li entend pour parler de Haïti, pour faire valer haïtien qui pratiquement a immigré aux États-Unis d'Amérique, qui a connu des situations et discriminatoires. Il a besoin de songer. Qui ça Haïti? Histoire Haïti avec les États-Unis d'Amérique. Et Haïti, c'est la première république noire qui mettait goutte l'indépendance. OK? Qui portait valeur, qui fait respecter droit tout le monde dans le monde là, l'Elralé Jean-Jacques Dessalines, dans la bataille qui était menée, dans la proclamation indépendance pays, qui te permettre liberté et droit universel de tout le monde à travers et le monde, les personnes. Je veux dire, nous, parce qu'on est, ça qui a pensé dans le fait dans des pays impérialistes, opportunistes, et il n'y a pas de ébranler haïtien. Et dans le niveau, dans l'introduction, dans la mise en contexte, discours, ouais, Edgar Leblanc-Fils, l'ichita sous bravoure, l'ichita sous capacité, songez, petit Donald Trump, te dit nous, c'est peuple qui pissote, qui gagne, et qui vient immigrer aux États-Unis. Nous sans culture, nous sans histoire, nous sans lecture. Eh bien, et Edgar Leblanc-Fils, tout passé pour un monsieur, il dit qu'on s'est passé, mais qui ça haïtien est? Si vous pas connaissez, tout vient faire un petit coup histoire pour vous, qui vous raconter et ou même, sous quoi menti, ou qu'à faire recherche, et tout bagaille là, il y a qu'à dire, nous c'est un grand peuple. C'est vrai, nous connaissons des situations très difficiles, mais nous toujours été jam pour nous combattre, pour nous sortir dans sa nuit. Communauté internationale là, pas innocent, ça a passé là, mais c'est nous-mêmes qui arrangeons pour nous avancer ensemble. C'est pas un petit groupe pour quitter l'autre derrière, mais c'est nous tous en général qui pour faire, qui pour changer question. Bon, par contre, qui ça? Edgar te le dit encore. Même tout les surprendre, parce que c'est même bagaille qu'elle était fait, et lui d'après le faire, dans l'assemblée qui était faite, à travers chef d'État de la CARICOM, dans Grenade, côté l'Italie, en pile monde, c'était mensonge qu'elle t'a essayé de faire, soit pour te montrer blanc, et peut-être que t'as des bagailles qui t'a fait. Mais après, elle a les oreilles, je pense que travaille pas nous, travaille notre confrère dans les médias traditionnels, dans les médias sociaux, lui pratiquement touché Edgar Leblanc-Fils qui permet qu'elle porte réalité haïtienne, lui porte un discours qui traverse tout le monde, qui fait fierté tout le monde de cette façon. Merci à Pile des Ibelès, merci avec chaque grand ami qui t'a regardé, puis t'as des émissions, parler et quatre fois vérité. Encore une fois, les amis, yo, like, partagez, quittez un commentaire, et soit à peine de sur les médias sérieux. Ici, mes sacs nouvelles, blessé, faux pain, une nouvelle, votre calbasse, info, racine, nouvelle Haïti. Abonnez avec médias sérieux pour pas jamais rater un yé dans l'émission. Merci, Désir. N'a croisé, mon frère.